Adixia, l'ancienne candidate des Ch'tis de retour avec un projet très surprenant. Absente de nos écrans depuis un petit moment, Adixia vient d'annoncer la sortie surprise de son livre autobiographique sur Instagram. Vous avez fait la connaissance d'Adixia dans le programme Les Ch'tis il y a quelques années maintenant. Mais comme vous le savez, après avoir épousé Paga le Marseillais, la jolie blonde a rejoint le clan des sudistes. Après une rupture compliquée avec Paga, la jeune femme a décidé de quitter le Sud pour rejoindre son nouveau chéri Jim, à Paris. Mais aujourd'hui, la candidate a dévoilé son nouveau projet surprenant sur les réseaux sociaux. En effet, après Jessica Thivenin, Aurélie D'Autremont, Amélie Neten ou encore très prochainement Shanna, c'est la belle Adixia qui a décidé de livrer son histoire dans un livre autobiographique. Le bouquin, nommé Ma Revanche, est déjà disponible au format numérique et dans quelques jours au format papier. C'est sur Instagram que l'ex-femme du Marseillais Paga a expliqué ce projet. Ça y est, mon projet est désormais achevé. Je suis très heureuse de vous annoncer la sortie de mon livre Ma Revanche. J'ai voulu aller plus loin et vous en dire plus sur qui je suis, sur ce que j'ai traversé. Je vous raconte tout et vous révèle de gros secrets. J'espère sincèrement qu'il vous plaira. Un récit plein d'espoir pour les victimes d'harcèlement scolaire. Je me suis mise à nu, pour vous. Sur le résumé, on a pu lire. Adeline Romaniello, connue sous le nom d'Adixia, est l'une des premières candidates de télé-réalité à avoir atteint le million de followers sur Instagram. Aujourd'hui, Adixia a provisoirement mis la télé-réalité sur pause pour se consacrer à sa passion, la musique. Dans ce récit, elle raconte comment elle est parvenue à réaliser son rêve, malgré les humiliations qu'elle a subies. Un récit touchant et plein d'espoir pour les victimes de harcèlement scolaire. Tout comme le livre d'Aurélie D'Autremont, le récit autobiographique de la bombe Adixia s'annonce plein de révélations. Qu'en pensez-vous? Adixia dans la prochaine saison de Moundir et les apprentis aventuriers? Une vidéo sème le doute. Adixia a laissé place à quelques doutes dans une vidéo sur sa possible participation dans la prochaine saison de Moundir et les apprentis aventuriers. Adixia est Paga originaire de Louvière en Belgique. Adixia est une candidate de télé-réalité qui a été découverte dans les Ch'tis. On vous laisse la découvrir ci-dessus. En 2014, la jeune femme rejoint les Marseillais à Rio puis elle se met en couple avec Paga durant le tournage. Ayant formé le duo de DJ, Paga Disc, le couple avait sorti plusieurs singles et un album intitulé Identity. Cependant, au bout de 3 ans et demi de relation, elle décide de quitter ce dernier. La jeune femme laisse place au doute récemment. Adixia avait déjeuné avec des producteurs des Marseillais et de Moundir et les apprentis aventuriers. Alors, la jeune femme s'apprête-t-elle à faire son grand retour sur les écrans en participant à l'émission phare de W9? Pour l'instant, dans le cas où elle décide de tenter l'aventure, la jeune femme pourrait faire équipe avec son ex, Paga. C'est un mystère mais ça reste toutefois une possibilité. Le casting de Moundir et les apprentis aventuriers 5 sur W9, cette année Moundir et les apprentis aventuriers revient pour une 5e saison. Une émission dans laquelle les candidats doivent s'entraîner à survivre sur une île déserte. Pour l'instant le casting officiel n'a pas encore été dévoilé. Certaines rumeurs circulent comme quoi Camille Coman, Lia Jasmine ou encore Julien Humbert feront partie de la nouvelle aventure et pourquoi pas la belle Adixia. Il y avait même une rumeur que dans la prochaine aventure, nous allons retrouver tous les finalistes des précédentes saisons.